canards et des barjots, des demeurés et des idiomards, des crétins, des abrutis. Je les aborge, les maudis, ceux qui pourrissent mon quotidien, ceux qui sont cons dès le matin. C'est effrayant et je prie Dieu que ça ne soit pas contagieux. Il y a des questions fondamentales que l'on se pose, et c'est vital. Est-on connard à la naissance, ou est-ce affaire de circonstance? Il y a le connard juste imbécile, celui qui n'est pas très subtil, qui prend tout au premier degré et qui se fait tout le temps chambrer. Lui, on l'invite dans les dîners pour qu'on puisse tous en rigoler. C'est pas mal, c'est même méchant, ce qu'on l'a est parfois touchant. Il y a des questions fondamentales que l'on se pose, et c'est vital. Est-ce un virus, une bactérie, une sorte de maladie? Il y a le gros con, le malfaisant, content de lui et suffisant, celui qui a toujours raison et qui sait tout sauf qu'il est con, celui qui se sent supérieur à tous ses interlocuteurs. Lui, son plaisir, c'est d'humilier ses malheureux subordonnés. Il y a des questions fondamentales que l'on se pose, et c'est vital. À ses enfants, le transmettons par les gènes ou l'éducation. Il y a le connard intelligent, celui-là est souvent méchant, celui qui frappe où ça fait mal. Il est vicieux et immoral, c'est un toxique à éviter, pourtant il brille en société et en langage à la télé pour flinguer les célébrités. Il y a des questions fondamentales que l'on se pose, et c'est vital. Existe-t-il un traitement? Y a-t-il un médicament? Il y a le connard politicien qui est souvent bon paroissien, Bolsonaro, Berlusconi et puis Matteo Salvini. Le connard blanc, si supérieur, le connard colonisateur, celui qui se croit tout permis, qui fait jamais de compromis. Il y a une question fondamentale que je me pose, et c'est vital. Suis-je un connard? Suis-je un gros con? Et si ma femme avait raison?